Shook it up. Salut tout le monde! Il fait tellement chaud que je suis obligée de porter des lunettes à l'intérieur. Je plaisante. Je mets des lunettes de soleil car je voulais vous faire une petite surprise et vous montrer mes yeux. On va essayer de deviner. J'ai une allergie. J'ai les yeux tout gonflés. Non. Je me suis fait opérer des yeux, mais ça a raté. Non. J'ai changé la couleur de mes yeux. J'ai acheté des lentilles de couleur. Mais des lentilles de couleur assez spéciales. Ouais. Pas des traditionnelles, hein. Je suis pas quelqu'un de traditionnel, hein. Vous devrez le savoir maintenant. Mais je crois que après cet essai concluant pour moi, je crois bien que je vais m'acheter des lentilles de couleur traditionnelles dans une couleur spéciale aussi. Mais j'en dis pas plus. Je vous montre ça. Attention. Et voilà. Alors, vous aimez? Ouais. C'est spécial, hein. En fait, ces lentilles, je les ai achetées quand j'ai acheté le maquillage à l'eau de chez Grimace, de chez un... Laura, où es-tu? Elle est là. Dans le magasin de Farce et Attrape, je les avais achetées là. Et ils vendaient aussi des lentilles assez spéciales. Il y avait des tigrés, il y avait des lentilles démoniaques, il y avait un peu tout. Et il y avait celle-là, alors l'appellation c'était lentilles vampire. Donc voilà, donc elles sont très claires. Et il n'y a pas de dessin à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est très clair, un bleu très clair, sans dessin. Donc il n'y a pas de dessin sur l'iris, c'est ça que ça fait un peu spécial. Et voilà, moi j'aime beaucoup, ça me change mais alors totalement. J'ai montré ça à ma fille, elle m'a dit « Oh maman, je ne te reconnais plus !» Je viens juste de les mettre, là c'est la première fois que je les mets, c'était pour tester. Et sincèrement, je les avais depuis que j'ai acheté le maquillage à l'eau. Mais je ne parvenais pas à les mettre, alors je m'énervais et puis je dis « Bon, ça ne sert à rien, on va se calmer, on va arrêter. » Et là aujourd'hui j'avais un petit peu le temps et puis je me suis dit tiens c'est l'occasion d'essayer un peu ce que ça donne. Moi je me suis mis calmement et puis finalement c'est très facile à mettre. Par contre je ne sais pas si c'est très facile à retirer, j'espère. J'aurais pas l'air malade si de maintenant je suis obligée de les laisser. Non c'est quand même bête. Donc par contre j'ai des petites questions à propos de ça. Pour celles qui portent déjà des lentilles, est-ce que quand vous portez vos lentilles, est-ce que vous les sentez? C'est-à-dire, est-ce que vous savez faire la différence quand vous ne portez pas des lentilles ou quand vous en portez? Parce que moi, je la sens là. C'est pas que ça me pique, mais je sens que j'ai des lentilles, quoi. Quand je bouge l'œil, je sens qu'il y a quelque chose sur mon œil. Alors, est-ce que c'est normal? J'aimerais bien savoir si c'est normal. Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont... Ah non, elles sont pas sales parce que je les avais mis dans un produit spécial. Je ne sais pas. Répondez-moi, donnez-moi un peu votre avis. Et conseillez-moi aussi si vous connaissez des bonnes marques de lentilles de couleur. Pas trop chères, forcément, et qui durent quand même pas mal de temps. Que ce ne soit pas des trucs jetables, hein. C'est un peu bête. Parce que j'aimerais bien des bleus. Clair, mais pas aussi clair que ça forcément, hein, avec un dessin dans l'iris pour que ce soit un peu plus naturel, parce que là c'est pas du tout naturel, hein. Faut pas, c'est pas naturel du tout. Alors, en plus j'ai accentué avec un maquillage noir et rouge. Je suis contente là. Donc maintenant l'étape, parce que je sais bien que c'est pas des lentilles à porter toute une journée, c'est vraiment des lentilles occasionnelles. Donc là, à mon avis, je vais pas tarder à les retirer.
Et j'espère que je vais y arriver, comme j'ai dit. On va voir. Voilà, donnez-moi votre avis. Ça serait sympa. Et je voulais remercier tous mes abonnés, tous mes chéris, tous mes petites chéries. Je vais bientôt atteindre les 500 abonnés. Wouhou! 500 abonnés. Je sais pas si vous vous imaginez, celles qui en ont. Moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal d'imaginer que si je calcule bien, j'ai 1000 perdus qui me regardent. Non, pas pardon, j'ai 1000 yeux qui me regardent. C'est assez affolant. Sinon, autre petit message personnel cette fois-ci à Cindy, qui va se reconnaître tout de suite, qui est une de mes collègues qui me suit. Donc ouais, j'ai une de mes collègues qui me regarde, qui trouve mes vidéos super géniales. Et donc Cindy regarde. Si je venais travailler comme ça. Voilà. Gros bisous. Laissez-moi vos commentaires pour me donner votre avis, pour me conseiller surtout. Et voilà, c'est tout. Et encore merci. Je vous aime tous. Gros bisous. Ciao.